Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons vous présenter nos réflexions et nos résolutions que nous proposons pour le problème qui se passe en notre cher pays, la République démocratique du Congo. Dans l'émission Réaction, je vous avais promis que nous allons essayer un peu de parler un peu lentement sur ce qui se passe, sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et le fait que le président Tshisekedi avait signé, ma réflexion et mes analyses sur la signature de cet accord qui va permettre à ce que le pays de l'AEC, les pays des États d'Afrique de l'Est, de venir intervenir militairement à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ils ont dit que la zone, donc nos trois régions, Sud Kivu, Nord Kivu et l'Ituri, ces trois régions vont être considérées comme une zone tampon sans armes. Donc, ça sera dirigé par le Kenya. Donc, cette force qui sera envoyée en République démocratique du Congo sera dirigée par, commandée par le Kenya. Le Kenya prend en tête avec d'autres pays d'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, et puis la Tanzanie, le Soudan du Sud. Ils vont constituer cette force-là et l'envoyer dans ces trois régions qui, dont les deux régions sont dans l'état de siège. Y a-t-il la réussite ou bien l'échec de l'état de siège? Quelle est l'implication? Qu'est-ce que nous attendons de cette force? Parce que nous commençons à comprendre qu'il y a des gens qui supportent cette option où il faudrait carrément donner le commandement d'une force multinationale, une énième force multinationale, mais africaine, sur notre territoire. Nous allons en parler, nous allons vous dire les conséquences et nous allons analyser et voir où est-ce que Fatshi est tombé dans le piège. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous allons revenir tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC Industries, inauguration de la première usine de production de câbles électriques made in Congo. Et puis Congo Central, pour malversation financière, l'ancien gouverneur Justin Luemba arrêté. Et puis RDC toujours, un animateur du Parlement debout de l'UDPS arrêté à Kinshasa. On va sur actualité.cd. Tanganyika, les deux bureaux de l'Assemblée provinciale, notamment celui d'Age, récemment installé, convoqué à Kinshasa. Matadi, atelier sur le suivi des engagements du président de la République. On va sur Congo profond. L'ONU félicite le gouvernement de la RDC pour la déclaration publique condamnant les diffusions de discours de haine en cours. Congo central, le gouverneur Guimba doit achever sa tournée de cohésion provinciale. 7 sur 7. Ici, Deli Sesanga, force régionale militaire, Deli Sesanga demande au gouvernement de révéler aux Congolais les contours de ses engagements. Et puis la Cour des comptes peut faire ce que l'UGF, mais l'UGF ne peut faire ce que la Cour des comptes fait. Ça, c'est Ernest Izemengia qui parle. Vous lirez ça dans 7 sur 7. On va terminer sur Radio Okapi. Maniema, les enseignants sollicitent des formations continues sur la réforme circulaire. Idiofa, la police réprime une marche des enseignants. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis. D'abord, nous allons prendre sur le plan militaire. Si nous acceptons
que cette force-là arrive sur notre territoire, nous aurons signé la mort de cet état de siège que nous avions dénoncé depuis longtemps, que l'état de siège ne changeait absolument aucun homme sur le terrain. Les gens continuent à être massacrés, tous les gens continuent à être... Donc les choses continuent à se faire comme à la normale. L'état de siège n'était que des noms. Les morts continuent. Jusque hier, avant-hier, même pendant qu'on signait cet accord de Nairobi, les gens continuent à être massacrés. Alors, on se pose la question de savoir, lorsque dans ces traités-là, dans ces accords-là de Nairobi, où on demande aux belligérants de stopper, est-ce qu'ils sont liés à quoi? C'est ça la question. Comment est-ce que certaines personnes peuvent dire que non, bon, arrêtez, vous n'êtes, êtes-vous impliqué dans cette discussion ou bien cette guerre? Le pays de l'ASC, quand ils disent que non, il faudrait que tous les belligérants puissent déposer les armes, ces gens-là pourront-ils les obéir comme ça, sans qu'il y ait une pression? C'est comme si vous dites à quelqu'un, bon, vous ne devrez pas boire, et que vous n'avez aucune mesure de contrainte. Alors, ils disent que non, les gens doivent rester dans leur position. Donc, ça c'est de reconnaître encore une fois de plus le M23 et le Rwanda avec ses alliés qui ont occupé un certain territoire. Où est-ce qu'ils étaient? Parce qu'ils n'existent pas. Mais vous allez entendre depuis 2020-2021, depuis que secrètement Félix, ça c'est le premier erreur que j'évoque ici, secrètement Félix a ressuscité le M23, ces gens-là sont venus, ils ont quitté le territoire rwandais à venir maintenant s'installer dans les Nyiragongo et tout ça. Ça c'est à partir de 2019, après cet accord qu'on les a dit on va les amnistier, ils n'existent plus. Ces gens-là n'existent plus. Mais c'est à ce moment-là là, que ces gens-là se sont encore réunis. Il y a eu une certaine réunification de ces gens-là. Et puis, ils sont venus occuper secrètement certaines positions vers le Nyiragongo, dans donc toute cette partie-là. Pourquoi est-ce que Félix a signé ces accords-là? C'était en fonction de quoi? Puisque le M23 n'existait plus. C'était une question d'histoire. Les gens, lorsqu'ils avaient négocié, les gens qui appartenaient au M23 ont été déjà les Congolais, les vrais Congolais. Ils sont pratiquement dans notre armée. Cet mixage dont ils demandent a été déjà fait depuis longtemps. Mais ça, c'était l'erreur. Mais maintenant, quelle était l'idée derrière d'aller négocier en 2023 avec un mort, comme je peux dire, pour le ressusciter? Vous allez comprendre que c'était après les meetings qu'il avait eu avec Kagame, avec les voisins de l'Est, avec tous nos voisins de l'Est, Burundi et tout ça. Parce que quand Tshisekedi a entamé le périple en se disant « nous allons coopérer », et c'est dès lors que ces gens-là, je crois qu'ils ont dit, si vous voulez à ce que nous puissions coopérer, voici ce que vous devrez faire. Pendant que Kabila avait déjà vaincu toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que Félix cherchait? Qu'est-ce que Félix vraiment cherchait? Je peux vous dire une chose, que Félix cherchait des faveurs avec le président Kagame. Et vous pouvez le comprendre dans la dernière déclaration de Kagame qu'il a fait. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux où il dit que non, il a maintes fois parlé à Tshisekedi, mais Tshisekedi, il ne sait pas, Kagame ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Kagame dit que non, je lui ai dit,
Vous comprenez qu'ils ont eu à parler beaucoup, mais Tshisekedi dit fait peut-être le contraire. Est-ce que le comportement de Tshisekedi n'est-il pas le comportement d'un quelqu'un qui est déçu de ce que de tous ces accords? N'est-il pas vraiment quelqu'un qui est déçu de tout ce que il pensait que ça pouvait amener la paix? Parce que nous ne pouvons pas toujours dire que Tshisekedi, dans tous ces périples là, il ne le faisait que pour question de tourisme. Il y a eu quelqu'un. La diplomatie, c'est comme ça. Il faut aller aussi voir les gens, parler avec les autres. Mais la façon dont il avait commencé, c'est ça qui l'a trahi. Faire de multiples voyages, au lieu d'inviter ces gens-là, au lieu de se faire voir, bande konga na ebisa kabino toujours, mutu oyazana makasi, alobaka mingite. Si tu as pignon sur rue, les gens viendront vers toi. Nous avons fait une figure de commandeurs, des gens qui vous... Nous nous avions placé dans la position de demandeurs. À ce moment-là, c'est ce que nous a imposé. Voilà. Donc, du côté armé, cette force va venir commander et ça sera une zone tampon que Kinshasa va perdre contrôle. Ces gens-là, il y aura beaucoup de militaires qui seront incontrôlés parce que jusque-là, même dans la déclaration, nous ne connaissons pas le nombre, nous ne connaissons pas le temps, pendant combien de temps ces gens-là seront là. Est-ce qu'ils ont mesuré? Est-ce qu'ils savent exactement la cible là où ils vont frapper? Quel est le plan? Quel est le plan? Qu'est-ce que ça fera? Alors, comme on n'a pas le temps et nous n'avons qu'une seule année qui nous reste avant la mandature de Félix de terminer, nous osons croire que même toutes les préparations des élections que nous allons faire là-bas, ça va prédiger cette zone-là. Ça hypothèque les organisations des élections en 2023 dans ces zones-là. Et c'est ça qui va troubler. Donc, cette force-là viendra là. Le Congolais n'aura plus. C'est comme si nous avions vendu une certaine... une partie de notre territoire. Nous ne saurons plus, le Kinshasa ne saura plus vraiment contrôler tout ça. Parce que la force militaire qui sera là, sera au commandement des Kenyans. Bandeko, vous ne savez pas ce qui se passe au Rwanda. Biloba Congolais, otozo kurtoza kolobela awa, tikana yebisabino. Makambo ele kakana Rwanda, dictature ezana Rwanda. Regardez dernièrement ici, il y a 3 jours. Bauti Koboma. Un de nos frères, encore une fois de plus, vous êtes sans le... Si vous allez sur les réseaux, il y a un gars qui est commerçant, il avait son hôtel à Bukavu, il a été kidnappé comme ça. Les kidnappings, on va nous rendre les très en silence. Babylon, quoi, n'a pas méthode à Rwanda, pas méthode à Kenya, et Kozalama Kassie Panabiso. Ça, c'est la conséquence. Ils vont nous faire taire pour nous mettre sur Bakotia Biso Naran. Ok, quelle est la positivité? Je vous ai dit ceci. Bandeko, si cette force-là, Bazongisi ordre na côté Kuna, nous risquons maintenant, nous entrons dans la balkanisation, parce qu'à ce moment-là, les Congolais à l'Est, les Colombes, non, tous organisés dans le monde, comme ça, Kimia, Oyo, Ezala, parce que nous ne cherchons que la paix. Le peuple congolais est derrière la paix. Comment est-ce qu'il peut rétablir la paix? Le peuple congolais ne veut pas oh babilo ko belé belé tok bakola ki sabino ke Kinshasa ezana ezaba aventurier et il voudra vous dire que non si à ce que vous voulez à ce que to banda to continue babilo ko oyo to kokota sikoyo na nini na chemin ya Soudan bakokabola on va organiser même le référendum et ils feront des campagnes ba campagne wana kozala bako maltraiter biso on risquera même de nous imposer ça par leur tactique à Kolobabaza, Kobomabatu, Bolobakalisusu, Bamakambute, Bakokanga Kaba Radio, Bakokanga Kaba Internet, Bakoka, Babilo Kwana Nyoso tout. Nous serons comme Kigali, Oyo Bozo Bangana, Oyo Bokoki Kolobelo Komo Kote. C'est ça que ces gens-là veulent à ce que nous soyons. Bilo Kwana Nde Kozala. Et je ne vous trompe pas, c'est comme ça qu'ils vont faire.
tokozala kasiko ba umbu ya batuana. Ils vont nous diriger, ils vont nous placer, ils vont nous dire voici ce qu'il faut faire parce que nous n'avons plus à faire quoi que ce soit. À ce moment-là, même à ta référendum, on a une division, ya balkanisation, ya Kogo, ya Kolobad, non, tout ça là, état, ce qui des grands lacs. Parce que c'est ça leur rêve. Ils vont nous imposer ça. Et maintenant, les Congolais, en disant que non, ce qui est au côté à Kinshasa, Kinshasa, Kuna Bazaba, aventurier, nous ne ferons plus. À ce moment-là, na ba élection en 2023, Tobo Sana. Notre appartenance à la République démocratique du Congo, nous-mêmes, nous allons le déclarer caduque. Nous, les gens de l'Est. Ils vont nous amadouer, ils vont tout faire, ils vont nous imposer les gens. Ils peuvent même encore créer une certaine rébellion. Yakoloba, mouvement moko à côté. Regardez sur les réseaux toujours, il y a des gens qui sont à Moba. Batumoko balata sokoto. Il y a une petite vidéo qui circule en se disant que eux, ils vont libérer l'Est. Et au risque même de collaborer avec cette force que le pays de l'Afrique de l'Est vont envoyer. Ça, c'est le plan de qui? On est à plan à Kagame. Alors, pour passer dans le coin, j'attends les gens qui sont entrés, il y a Kabila, il y a Tshisekedi, il y a non, Bandeko, écoutez, on ne peut pas aller en guerre parce que on fait pratiquement marche en arrière. Parce que on commence à analyser. L'échec de Félix Tshisekedi est de n'avoir pas pensé cette histoire ici lorsqu'il arrivait au pouvoir. Parce que Tshisekedi a zokende naba et c'est erreur. Aye bien lo kwa zo lukate. Est-ce que c'est aujourd'hui que nous pouvons dire que non, l'armée vraiment de Tufoto, ça la réforme les lots? Pourquoi on n'avait pas pensé de ça en 2018? Lorsqu'on se disait, ou bien, dans un mois, oh, toi analyser, toi va nananou, toi analyser situation à armée. Est-ce que armée, aujourd'hui, qu'on commence à se dire que non, il faut réformer l'armée? Ça devrait se faire depuis longtemps, depuis lorsque Zoya n'a pouvoir, Ozan a plan à yo. Yangwana tobande koloba na bino ke non, Tshisekedi azoya kaka ko accomplir, azoya ko accompagner eloko oyo Kabila tikaki. Parce que les mêmes histoires qu'on reprochait à Kabila, c'est en train de se faire aujourd'hui. On laisse l'armée s'appauvrir, on laisse les histoires politiques et nini yango to iko za la poto changer. Ils n'ont pas voulu entendre. Il faut récupérer l'armée, il faut récupérer la cour constitutionnelle. On s'est embrouillé dans toutes ces histoires-là. Écoutez, Bissot, à peu près 3 ans. Parce qu'on n'avait pas réfléchi en amont. Lorsqu'on arrivait au pouvoir, on n'avait pas réfléchi. Et cette histoire ici, ça se passe même dans les partis politiques. Batouan Bazokolo Bakeno Bakoyan en 2023, il ne se prépare pas pour se dire ou bien réfléchir quel est le Congo nouveau que nous devons implémenter pour que changement soit là. Il ne pense pas à cela. Et c'est là où moi je condamne le politique. Et c'est là où moi je condamne tout le monde qui se dit que non. Oh, Eza Katumbi. Oh, Eza Fayulu. Oh, Tokolongola Tshisekedi. Pensez Congo d'abord. Congo, oh, Tokobongisango, Nengenini. Nous
continuons à perpétuer le même système en pensant que nous pouvons avoir le changement. Non, changement est koyakate. Et moi, je disais dans une des réunions de certains partis politiques ici, je leur disais que si vous ne vous préparez pas en fonction que lorsque nous arriverons au pouvoir, nous allons faire quoi? Vous allez pratiquement échouer. Bokobanda okende peka kanaba SRR, gouvernement obotie bakoboya, parce que batouana ba yebi eloko bazoko ya kosalate. Les gens ne savent pas ce qu'ils viendront faire. Nous devons nous définir déjà bien avant. C'est comme ça qu'on se pose la question. Maintenant, Germain, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la solution qu'il faut pour adopter maintenant? Je vous dis que nous risquons d'être en retard. Nous risquons même les solutions que nous pouvons proposer ici. Et comme en Angola, en retard. Mais est-ce que pour sauver le Congo, nous n'arrêterons pas de le dire? Et là, comment nous devons, le peuple congolais doit refuser. Bandeko, batu, ce qui est boy likambwana à Nairobi, et que ça la paix biso et l'eau côté. Ce qui est sali et likambwana to lobi to boy, to zako s'organise nanou en interne, poto sil sa makamboyo, et que ba ko ça la paix biso et l'eau côté, comme ma paix biso et l'eau soussouté. Parce que nous avons la solution avec nous dans nos mains. C'est seulement que nous ne pouvons pas y croire, nous ne voulons pas y croire. Tozo linga ko croire na ba solution na biso mon côté. Tshisekedi n'est pas confiant avec lui parce qu'il n'a pas un programme. Et nous lui avons dit, voici la solution globale de notre pays. Appelez les états des lieux de notre territoire. Qui régleront les histoires de légitimité dans les territoires? C'est-à-dire que batou bako solo là. Mbongo toza nango oyo, toko tsango na ba biloko mususu te. Proclamons un nouveau Congo en 2023. Donc, préparons-nous à une nouvelle constitution qui traitera les questions fondamentales. Et les questions fondamentales doivent être discutées au niveau de la base. Tikama makamwane salema. Batouana soko bengi bangolobi bino ba député oboza awa. Bokende bo solo la makambo ya constitution asika. Ça va eko sili sa babilo kwa na pacifiquement ta lisasi moko eko beta kate. La chose là, qu'est-ce que tu dois faire, c'est de veiller vraiment à la fermeture de la frontière. Parce que ata bato bazo okipe Bunagana. So ki territoire ya Niragongo ou bien place bazali, balobi ke non. Biso ba député to eko solo la pona kota la makambo ya mboka na biso awa biso nyonso to banda ensemble. Eza la libanda mboka te, il faut ezala na kati ya mboka na biso. Ba député ya chaque territoire ba vandi ba lobi to sili sa babiloko oyo. Réfléchissons sur une nouvelle constitution. Nani aza congolais, nani aza congolais te. Et c'est ça qui pourra terminer. Nous ne cessons de nous dire que la solution de notre pays est globale. Solution est globale. On a des positions, on a besoin de contact pro-life. Nous disons, Makambo ako bundawana ezali parce que nous pensons que Kinshasa contrôle tout. Il faut donner le contrôle au niveau de local en se disant, bana mboka, place nyo sobino bozali, bokutana. Ba député, on va zoke nena vacances parlementaires. C'était l'occasion de leur dire, nous mettons en berne l'Assemblée nationale et le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, bat députés nationaux. Comme nous allons lancer le développement des 145 territoires, nous commençons par appeler les états des lieux de territoires. Chaque territoire doit se mettre d'accord pour que tout banda ko réfléchir sur une nouvelle constitution. Parce que na ndenge tozali tozo kende malamu te. Et c'est ça la solution. Ba twana o baza ba Simba Mandoki, o baza na Uvira, o baza na nani, ba koye ba kaka ke ba nani wana. Ba conseil wana o toko tia pona ko discuter sur une nouvelle constitution dans chaque territoire. Mutu nyonso ya ko pesa nani na ye. Ezate ke ba to ba dominer ba ninga o ba nani. À ce moment-là, vous allez avoir vous allez okozala exempt parce que vous allez impliquer tout le Congo. Ezala na bagata, ezala na mbanda, ezala na bandundu. Les gens vont se mettre ensemble pour parler un nouveau Congo avec une nouvelle constitution. À ce moment-là, bokosimba mandu kipona nini. Voilà la solution interne que nous sommes en train de prôner ici à Contact Pro Live. Nous nous disons, makambo kosimba, même MONUSCO et le bagake, mando ke kosiri sakalikambo STT.
Likambwa est ekosi li sangweza globalement. Il faut que nous puissions chercher à faire parler batu na bas institution oyo eza na pouvoir à koloba. Na ba état de lié wana batu 300 wana ou bien 300 personnes qui seront choisies pour se mettre d'accord na kati ya ba territoire. Eza la likambo a Kinshasa te, eza la likambo na bango kuna. Les gens qui sont là-bas, qui ba administrateurs de territoire, parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup d'administrateurs de territoire sont des autochtones. Batu oyo, batu o ba yebani, ba notable na chaque territoire ba yebani. Eza likambo te, keno e uta Kinshasa batu o ba, batu o ba simba mandoki na banani ba territoire kuna bayebani tango ozombi misabango na Kinshasa kozombi sabango na ba territoire, ils seront obligés d'aller parler sur cette nani wana na komba ba conférence wana koloba na état de lié à territoire na biso totala nini yango eza kokene nani azo chama be awa e biso moko toza capable ya kopinir mutu wana ya koyeba yo mutozo tika yo mutozo salabo. Voilà désormais que ma ndenge makamboza na kati ya maboko na biso toko collaborer poto kende to bimisa solution a ce que mboka na biso ekamba mamalamu. Voilà, c'est ça la solution que nous disons o ekoki ko sauver Fati pour l'instant, mais soka zo continuer kaka ko kanisa ke non. Ba solution non ce ko uta kalibanda, nous allons continuer à nous enlisser dans un engrenage où il sera difficile de quitter. À ce moment-là, nous serons maîtres de notre tête. Les gens seront et c'est cela la rétrocession même du pouvoir au niveau de la base. La base ne sera jamais manipulée par l'étranger, jamais. Imagine toi ce qui ba toi kamituga ba kangi ba lobité biso barega mutu nyoso o akobimisa or na biso awo il faut aller kananu awo. L'administration va commencer à aller et maintenant Kinshasa pour supporter ça, c'est comme ça que nous sommes dit projet on a 145 territoires ezali ballon o biso toloba ki ke eza ballon de sauvetage ya République démocratique du Congo o eko signifie o eko sala ke Batouba remettre le pouvoir soit remis encore à la base et que la base se sente encore impliquée dans le développement de notre pays. La base devra se sentir impliquée comment? Lorsque elle sera ces mesures babilo qu'on a eu au azoloba et zako za la respecter et yemo ko zako loba que non awa tokocha policier toyebi policier nan toyebi mutu nini ango azalaka awa. Lorsque le peuple congolais à la base pourra se dire que non na territoire na biso nous sommes capables de nous identifier et nous connaître et de collaborer entre biso nyoso de akotia loi a koloba ke non biso oyo loi autotier awa na et to moni ango na referendum ba konzi na biso bazali susu na Kinshasa te soki ba kangio aoza na o ozo yiba bat awa nde ba kopinir yo. Si déjà les conférences les états de lieu, les conférences de ces états de lieu pourront avoir le pouvoir même, il y a identification, il y a recensement. Vraiment, il y a un poids. Ce qui est en train de se faire, il y a Lubumbashi, il faut tout organiser. Et ça, quand il y a un poids influencé, il faut soutenir Kinshasa. Si nous allons faire recours à Kinshasa, voici comment est-ce que nous allons collaborer na batwa Kinshasa, comment les États vont être. C'est ça. Ils sont en train aussi de réfléchir sur cette histoire ici. C'est comme ça que nous disons, idée. Ya ko sauve Congo na biso yango wana proclamer une nouvelle 4e république où tous les accords signés pendant la 3e république ya Kabila ya Tshisekedi vont tomber kadik ba accord wana na ba bato boya ko sala bo ko tomber kadik et ko tomber kadik té na sens que ça sera plus Kinshasa ou quoi que ça sera maintenant les autochtones, les territoires là où les multinationales exercent qui viendront par exemple bakoloba. Il faut aller d'abord là-bas. Kende na nukosolo la kuna boyoka. Et je vous assure que chaque territoire, chaque tribu, il y a beaucoup d'intellectuels. Même les chefs coutumiers, quand vous les regardez parler, vous dites que non, il suffit tout simplement de leur donner cette opportunité. A kozong c'est la bango, pouvoir na bango. Et pourquoi nous disons que nous devons faire ça? C'est parce que nous disons, selon cette constitution que nous avons aujourd'hui, celui qui peut appeler à ces états de lieu, enfin de proclamer la 4e République, c'est Félix. Mais il est en train de s'embrouiller en pensant que non, Toigo Kendeka boy. Nous, on commence à se poser la question. Est-ce qu'ils ont subi la menace na bato ba tchaki na pouvoir? C'est pour ça que nous sommes dit. Est-ce qu'il est du côté du peuple?
Est-ce qu'il est du côté de ceux qui l'ont placé à la, au pouvoir? Asa divisé. Est-ce qu'il reçoit des menaces de mort? Et je vous laisse sur cette question-là, que nous allons développer la semaine prochaine. Oya Koloba, quelles sont les influences que Tshisekedi reçoit de ses pères? Comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce que nous allons nous poser cette question et nous les développerons dans notre prochaine édition. Je suis en train encore de faire un appel, Bandeko. Essayez de vous abonner, partagez cette émission. Merci en tout cas. La dernière vidéo, je vois comment est-ce que Bavio et Mati, je me suis dit, nous sommes en train d'avancer. Mais bota la kakate, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous pour augmenter visibilité émission Nabiso. Ko s'abonner zandengini. Et ça na bouton moko awa na se ko cliquer ka na kati wana et ko bimiselo banani ko tie email adresse na yo tout ça. Et puis au cliquer na kamwa ngonga cloche moko ezali wana cliquer pour que tant motoza ko upload ba émission oza averti et puis o tali yango. Et ko ko sa view na biso na kati ba émission et ko matisa un peu nani importance à y a émission na biso surtout ceux qui bozo tia moi ba j'aime moi na ba moi j'aime na vidéo et ça la ka bien et qu'augmenter visibilité na biso c'est la seule façon oyo bokoki ko ebengai na continuer ko sala musala oyo. En tout cas merci beaucoup pour tous ceux qui m'appellent pour m'encourager. Germain fait ceci nazwa ka ba email belé nazwa ka ba WhatsApp belé ba twaza ko loba non c'est bon voilà la solution. Mais il faudrait que solution on a tout partagé en gros pour que bato ebele ba yeba ni nango tozo kanisa pour namboka na biso. On va s'arrêter là en disant en tout cas merci beaucoup. En tout cas j'espère que vous allez passer un bon week-end et que nous nous retrouverons en bonne santé lorsque l'occasion nous le permettra. Au revoir, portez-vous bien.